Et salut tout le monde, c'est Mister Diable en Minecraft. Et pour ce tuto, on va voir un super piège. Moi j'appelle ça un piège à con parce que franchement c'est vraiment con. Mais c'est quand même super impressionnant, je trouve. Enfin, moi je trouve ça quand même assez balèze. Et j'ai réussi à me démerder pour trouver le système tout seul. Donc c'est pour ça que je peux vous proposer ce tuto. Et on va voir ça tout de suite, voir ce que ça fait. Donc, bon là, j'ai pas marqué, mais en gros, c'est ici qu'il y aura marqué ne pas appuyer, ne pas avancer, sinon, vous prenez une multitude de flèches sur la tête, sur la tronche, et en plus, ce qui est bien avec... Bon, je ramasse les flèches, désolé. Tac. Ce qui est bien avec une plaque de pression, c'est que vous allez dessus, comme ça. Donc, vous en prenez par la tête, et une fois que vous ressortez, hop, vous reprenez une pigée, comme ça. Donc, c'est vraiment... Bon, je m'en fous des flèches, en fait. C'est vraiment très pratique. Donc, dans ce tuto, on va apprendre à faire ça. Donc, je vais vous montrer le système. Donc, ne vous inquiétez pas, ça ne fait pas peur, c'est rien du tout. On va voir, c'est très très simple. C'est vraiment pas grand-chose, hein. Alors, on va s'éloigner un peu. On va se mettre par là, voilà, hop, donc, tac. On va commencer par prendre des distributeurs. Donc ouais, donc on va commencer par prendre des distributeurs et vous prenez un autre bloc, n'importe quel autre bloc, ce sera juste pour placer les distributeurs. Donc on va faire ça par 10, 10 par 10. Et on va commencer maintenant. Donc, on met pas de distributeur en bas parce que je vous expliquerai après. Je vous expliquerai après pourquoi on en met pas en bas. Donc, vous en mettez 10, hop, et vous mettez vos distributeurs dessus. Tac, 10. Ensuite, pour pouvoir placer un distributeur encore au-dessus, vous faites ça comme ça. Donc là j'ai un gros problème d'internet en ce moment, donc là j'ai pas internet. Donc je vais filmer, enfin ouais je suis en train d'enregistrer là, et dès que internet va revenir, dès qu'internet va revenir, je vais pouvoir vous l'upload et puis en même temps upload l'épisode numéro 2 des bases de la Redstone, des bases de Minecraft de la Redstone, pardon. Et je vais pouvoir vous upload ça dès que tout sera... En fonction de en dès que ça tout marchera, voilà. Ensuite, alors, premier point chiant du truc, mais c'est un des seuls trucs un peu chiant, je dirais. C'est pour placer la lave qui va enflammer les flèches, donc forcément faire un plus gros dégât. Donc. Tac. 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 Vous faites venir ça juste là, comme ça, on va boucher en haut. Vous faites une sorte de mur, et là, hop, vous rabattez. C'est pour pas que la lave puisse venir vers nous. Hop, ici aussi, vous rabattez. Ici, vous allez rabattre ici. Voilà. Tac, et là, vous rabattez ici. Donc, en fait, ça va être le creux qui va retenir la lave. Hein. Je pense que ça, vous l'avez compris. Ouais, donc ça, c'est le seul point chiant du truc. C'est pas très redstone ni rien, mais... Hop. Et hop, là. Donc, ensuite, vous prenez un seau de lave. De la lave, j'ai dit. Voilà, de la lave. Et vous en placez. Alors, première rangée. Voilà, première rangée. Vous voyez que ça va boucher cette rangée-là aussi. Et donc là, normalement, ça bouche les deux rangées. Mais, tac, normalement, c'est bon.
Ah oui, donc oui, pardon, j'ai creusé un peu trop, c'était parce que c'était pour, si je voulais faire plus grand, mais je me suis trompé de taille pour le trou. Tac, voilà, donc là, vous avez votre rideau de lave. Donc moi, je fais deux rangées, mais vraiment le mieux, ce serait trois rangées, mais deux, ça marche aussi, hein, c'est au niveau, en fait, pour que les flèches s'enflamment. En fait, les flèches s'enflamment, pour vous dire la vérité, les flèches s'enflamment une fois sur deux, en gros, c'est ça. Mais là, moi, je vous monte à 10, mais vous pouvez faire 100, vous pouvez en faire autant que vous voulez. Après, c'est juste au niveau des systèmes que c'est un peu plus compliqué, mais sinon, c'est vraiment rien. Donc là, vous débouchez juste pour qu'on puisse voir les distributeurs. Et vous placez à chaque fois un cube ici, en dessous. Donc ensuite, au niveau de la redstone, on va avoir besoin de la redstone, des répéteurs et de la plaque de pression, mais ça, ce sera que tout à l'heure. Donc, vous placez un répéteur devant chaque distributeur, comme ceci. Voilà. Et en gros, à chaque fois, on va décaler. Donc, je vais vous montrer. Hein. Donc, à chaque fois, on va faire une sorte d'escalier, comme ça. Attendez, bougez pas. Je regarde juste un truc. Hop. Ah! D'accord, ok. Bon, alors, ensuite, donc là, vous faites toujours un escalier qui... Bon, alors, moi, je suis en créatif, donc j'ai vraiment pas une grosse profondeur. Donc, moi, je fais ça à 3, puis ça suffit largement. Il faut juste qu'il y ait un cube au-dessus, quoi. Et vous allez rejoindre... Ouais, voilà, comme ça. Vous allez rejoindre votre... vous allez faire une sorte de tunnel. Hop. Une sorte de tunnel qui mène jusqu'à peu près une distance... ouais, voilà, une distance comme ça. Une distance comme ça, jusqu'au milieu de votre système. Ça doit bien être le milieu, ça. Ouais, ouais, c'est à peu près ça. Tiens, dis donc, c'est la première fois que j'arrive du premier coup, le milieu. Et pour faire, donc, on va maintenant installer le levier. Donc, on va relayer tous les systèmes. Mais en premier, je vais commencer par vous montrer... au niveau du levier, tac, donc le levier il va se trouver là, ouais, même pas bien, tac, donc, tac, 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 voilà, donc, en gros, votre plaque de pression, elle va se trouver là, bon, là je vais mettre avec un levier parce que le levier ça garde la redstone en place, c'est vraiment pour vous montrer ce qui se passe, voilà, donc là, votre levier est actionné, donc vous reliez tout ça, ouais, comme ça. Donc là, vous reliez... Là, votre redstone jusqu'au répéteur qu'on a branché loin. Enfin, le premier répéteur que je vous ai dit. Tac. Et tac. Bon, alors là, vous voyez que ça marche pas parce qu'on n'a pas entendu le petit clic du... Le petit clic du... De... Ah, du distributeur. Donc, pour l'actionner, bah vraiment tout simplement, on va mettre des répéteurs. Donc, à chaque fois, vous mettez un répéteur vers au premier virage, comme ça. Et ici, je vous conseille d'en mettre un juste après le virage. Comme ça. Et j'en remets un juste avant le virage. Voilà. Donc, on va actionner tout ça. Et là, on va entendre... Donc, on va voir la redstone s'actionner jusqu'au bout, normalement. Hop, donc là... Ah oui! Oh, quel con. Oui, donc là, j'ai fait une bêtise. Vu que la redstone... oui, oh là là. Bon, tant pis, c'est rien du tout. Voilà, ça marchera mieux comme ça. Tant pis. Autant pour moi, ça change rien du tout. Voilà, j'ai fait une petite bêtise, c'est rien de méchant. Donc voilà, donc là, nos deux premiers distributeurs marchent. Donc voilà pourquoi ne pas mettre le distributeur en bas, car première raison, les flèches qui passent vers le bas, bah, ça tombe par là, quoi. C'est pas très très utile. Et deuxième chose, parce que ça actionne les deux distributeurs en même temps. Donc on va faire cette opération-là à chaque fois, mais un peu plus loin. Donc, je mets des répéteurs pour faire des circuits unifiés, moi. Donc, voilà, répéteur.
Redstone. Escalier. Bon, tu descends, oui. Voilà. Et vous rejoignez ça à ça. Voilà. Donc, rejoignez votre redstone à ça. Et toujours un répéteur ici. Tac. Donc là, vous allez aussi en mettre un là. Parce que je vois que ça marche pas jusqu'au bout. Voilà. Donc là, on a ce répéteur là d'activer. Et vous faites cette opération là pendant toute la partie. Donc, je vais vous retrouver dans quelques instants une fois que j'aurai tout terminé. Je vous retrouve dans deux petites secondes. Voilà, donc après avoir fait l'opération comme ceci, alors attendez, je refais juste un truc vite fait. Tac. Merde. Hop. Après avoir fait cette opération là, donc à chaque fois que vous voyez un répéteur, un virage, donc comme ça, relire, à chaque fois un peu plus loin. Vous faites la même chose, mais de l'autre côté, sauf que cette fois, on va faire l'autre couloir principal. Donc, comme tout à l'heure. Tac. Tac. Et vous allez faire... Alors, bougez pas. Voilà, donc vous allez faire pareil que tout à l'heure, un chemin qui mène sur le côté, comme ça, jusqu'au système qu'on avait fait tout à l'heure. Jusqu'au virage qu'on avait fait jusqu'au logo. Bon, mais on n'était pas loin. C'est celui-là. Hop. Et donc là, vous branchez tout ça. Ici, donc là, à chaque fois, c'est ça votre couloir principal. Hein. Donc, un répéteur ici à chaque fois. Hop. Hop. Et oui, ça va me faire chier, ça. Hop, donc ceux-là, ils sont branchés. Et je vous retrouve comme tout à l'heure pour faire la même opération que tout à l'heure, mais vers ce côté-là. Je vous retrouve dans deux petites secondes, une fois que ça c'est fait. Et je vous retrouve tout de suite pour ce dernier distributeur qui est légèrement différent des autres. Donc pour ce dernier distributeur, vous devez le mettre sur le côté, comme ça. Et rejoindre la redstone au couloir qui doit se trouver, voilà, juste dessous. Oui. Donc, alors oui, voilà. Donc là, on peut avoir ce problème. Qu'est-ce que tu me poses, toi? Voilà. Donc, ce problème-là, vous le corrigez comme ceci. Donc, hop. En gros, on va faire un petit tour à l'intérieur, quoi. Tac, tac. Hop, et vous rejoignez juste ça, comme ça. Et là, tout marche correctement. Et normalement, quand on actionne le levier, tous les distributeurs marchent. Et donc, c'est pas grave. Tous les distributeurs marchent. Et donc, bon, après, vous vous déguisez tout ça comme vous voulez. Et après, vous avez juste à remplir chacun de vos distributeurs par des flèches et actionner le tout par une plaque de pression. Et le petit abruti qui va appuyer là-dessus, et ben, va s'en prendre plein la gueule. Donc, j'espère que vous avez tout compris. Donc, je vous remonte bien le système comme ça. Donc, tac. Vous voyez, à chaque fois, on rejoint comme ça. On rejoint le couloir. J'espère que vous avez bien tout compris comme il faut. Si vous avez la moindre question, dites-le-moi en commentaire. Et n'hésitez pas à commenter la chaîne. Aimez la vidéo si ça vous a plu. Allez faire un petit tour sur ma chaîne. Et pourquoi pas vous abonner. Et je vous dis ciao ciao tout le monde. Et à la prochaine !